C'est dans cette salle que participants, officiels et partenaires du projet d'appui à l'entrepreneuriat féminin au sein de la filière Rio Bénin se sont retrouvés dans la matinée de ce mercredi 15 mars 2023 pour réfléchir autour du thème « Agir pour l'égalité des genres ». C'est donc une grande opportunité qui nous est en fait, vous et nous, toutes les parties prenantes du projet PAEPE, pour faire le bilan de nos engagements et le bilan des stratégies développées pour la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes au sein de la filière RI. Présent lors de la dite séance, le secrétaire exécutif et représentant du maire de Glazoué a saisi l'occasion pour exhorter les femmes à maintenir la dynamique en cours. Alors, les femmes, c'est juste des mots d'encouragement, de se sentir égales donc, aux hommes. Il ne faudrait pas qu'elles se sentent inférieures aux hommes et ne pas contribuer au développement de la commune. Donc, c'est un mot d'encouragement et un appel assez fort pour qu'elles se sentent aussi capables d'agir au même titre que les hommes. Le PAEFR s'inscrit dans la lutte contre la pauvreté par le développement du pouvoir économique des femmes au moyen d'une intervention dans la filière RI. Ce projet qui aurait duré 5 ans et qui connaît déjà son épilogue pourra toujours compter sur l'affaire mondiale Canada AMC dans l'exécution de son programme. Alors que nous venons de souligner la Journée internationale des droits des femmes, il est bon de réfléchir au chemin qu'il reste à parcourir et aux inégalités qui persistent, car il y en a, mais aussi de célébrer les petites et les grandes victoires. Cette activité s'inscrit aussi dans les actions de pérennisation du projet et il est important de réfléchir ensemble aux actions à mettre en œuvre pour garder, préserver les acquis. Je conclurai donc sans plus tarder en réitérant l'engagement du Canada auprès de ses partenaires béninois en faveur des droits des femmes et des filles béninoises. Ce travail ne peut être accompli sans vous. Débat autour de différents thèmes et sketchs, cette journée fut pour ces femmes très enrichissante, mais aussi et surtout très instructive. Elles repartent satisfaites et confiantes sur la pérennisation du projet.